Oh! 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 C'est qui? Je regarde. Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sensia Awakening. Et aujourd'hui les frérots, on va aller faire quelques invocations sur Poséidon. Alors oui, je suis pas comme tout le monde, je fais mes invocations le dernier jour. Mais il y a une très bonne raison à ça, c'est que je me suis donné le défi depuis un mois de faire seulement les 3 singles journalières. Et j'ai tenu le coup. Alors aujourd'hui on a un nombre vraiment colossal de cristaux. Vous voyez, on a les 500 cristaux, les frérots, on a réussi à les avoir. Donc, avec les différents farms, et puis j'ai acheté aussi un pack à Noël, je vais pas vous mentir. Hein. J'ai lâché 70 boules à Noël, exceptionnellement, parce que d'habitude, je suis un mec qui met juste, voilà, qui prend les packs mensuels chaque mois avec les cartes. Donc, je mets 30€ chaque mois. En gros, là, j'ai un peu craqué pour Noël. Et donc, j'ai réussi à avoir ces 500 cristaux, ça fait plutôt plaisir. On va pouvoir faire un Lucky Cat complet ensemble. Et voir du coup combien je vais récupérer d'étoiles. D'ailleurs les frérots, le planning de la semaine a été fait. Voici pour les petits lives. Donc on commence mardi, donc le soir même où je posterai cette vidéo. Je compte sur vous pour être là à 20h pour du Sensei Awakening bien sûr sur YouTube. Et puis à 21h on passera sur Twitch. On fera bon des trucs différents comme d'hab. On parlera, on regardera une vidéo, des trucs drôles. On se tape pas mal de barres. Donc je vous invite vraiment à venir, ça sera super cool. Et n'oubliez pas surtout, le vendredi, la soirée anime à 22h45, on finit Death Note. Je compte sur vous pour être là. La dernière fois, on était super nombreux. C'était juste incroyable. Et les lives comme ça sont vraiment super plaisants. Donc merci à tous ceux qui viennent. Ça fait grave plaisir. Le planning est dispo sur l'onglet communauté. Ou sinon vous pouvez mettre pause hein, juste avant pour le voir. Et vous allez voir que les petites icônes, il y a une icône YouTube ou Twitch. Et tout simplement c'est la plateforme sur laquelle je stream au moment où je mets l'heure. Voilà. Donc revenons-en à Sensea, donc le petit Poséidon qui est là. Alors on a Pandore qui arrive demain. Donc Pandore qui arrive demain, pas intéressant du tout me concernant. Ah bah bon, elle met des debuffs, par exemple quand vous avez de la vitesse en moins, apparemment elle va soigner, en plus de ça elle va rajouter de la vitesse à votre perso. Enfin bref, un truc qui m'intéresse pas du tout personnellement, je préfère économiser pour un Ikigotclose qui va arriver ou un Evil Saga qui va être vraiment incroyable et qui va complètement détruire ses Agotclose. Et du coup je vous propose d'aller d'abord faire le Lucky Cat ensemble pour un peu voir tout simplement comment, combien surtout de cristaux je vais récupérer. Alors comme je vous l'ai dit, je m'étais donné le défi d'économiser pour le Lucky Cat, parce que c'est vraiment un truc incroyable. On va voir combien de cristaux j'ai eu là. Et en fait normalement j'use mes cristaux un peu n'importe comment. Donc j'ai souvent 150, 200 cristaux pour le Lucky Cat, voire 300 hein, c'est vraiment le grand max que j'ai eu je crois. Et je peux pas le rentabiliser, sachant que vraiment ça vous donne une quantité astronomique de cristaux. Je vous invite à faire la même chose. Et moi-même je pense pas passer à l'avenir en dessous des 450 cristaux, histoire de pouvoir remonter le jour où il y a le Lucky Cat. De toute façon maintenant on sait que c'est le premier lundi de chaque mois. On va pouvoir prévoir tout ça et puis faire pour le mieux. Donc vous retenez bien, on avait 500 cristaux au début du Lucky Cat. Là on va tomber sur du... Ok, du 22. Je crois qu'on en a mis 21, on en a récupéré 22. 33, ok. Donc... tac, on va continuer. En vrai je sais même pas. J'ai pas compté depuis le début. Je vais juste les faire jusqu'à qu'on ait fini. Et puis à la fin on verra tout simplement combien on en a récupéré. Parce que en vérité je sais pas du tout si j'ai de la chance ou pas pour le moment. Alors je crois que c'est le dernier celui-là. Et on a eu... On a reçu pas moins de 212 cristaux. Non, 223 cristaux. Oh la vache. Ah, je crois que j'ai un peu chaté. Je crois que la moyenne, elle est sur 200. Donc, comme vous voyez, j'ai bien fait d'économiser pour le Lucky Cat. On a eu pas moins de 223 cristaux, les frérots. Et ça, ça fait putain de plaisir. Hein. J'ai bien fait de me restreindre pour ces Agotclose, etc. Alors, j'ai pas drop, hein, parce que bien sûr... Je me suis limité, mais du coup on va faire des petites invocations sur Poséidon. Là je la sens bien, la petite multi je la sens bien, je sais pas pourquoi. On va aller sur le petit on va aller sur quoi, tiens. Sagittaire c'est mon signe mais j'ai jamais eu de chance dessus. Cancer, tiens, pourquoi pas Cancer.
Pourquoi pas cancer? On va lâcher une multi sur le cancer. Allez. Ah! Pas de banderole malheureusement. Pas de banderole. Moi qui pensais avoir une petite banderole ici et puis drop un S. Pas de banderole. Bon. Pas d'éclat non plus, hein. Pas d'éclat non plus. Alors, est-ce que je suis déçu ou pas? Bah, la réponse, je pense, les gars. Bah, je vais vous la montrer là. Je vous mets l'extrait juste ici. Vous allez voir, c'est juste incroyable. Oh! 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 C'est qui? 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 Je regarde pas. Je regarde pas. Oh! Alors, comme vous voyez, j'ai drop Poséidon avec les 3 singles journalières que j'ai fait pendant le live, en fait. À chaque live, pendant 2 semaines, j'étais en train de faire les singles journalières. Comme je vous l'ai dit, je lâchais seulement mes 3 singles tous les jours. Et il s'est avéré que je les drop avant-hier. Donc, je suis super content. C'est juste incroyable. Je vous ai un peu proc au début de la vidéo parce que le moment, comme vous voyez, où j'ai drop, c'était pas fake, hein. J'étais comme un malade, j'ai sauté partout, c'était vraiment un truc de fou, je m'attendais pas du tout. En tout cas, ça avait grave plaisir parce que, comme vous le savez, j'ai pas drop depuis Saga. Enfin, Saga, c'est le seul perso à thème que j'ai drop depuis le début du jeu, sachant que Shaka, je l'ai au shard, Doko, je l'ai au shard aussi. Ça fait plaisir d'avoir le perso à thème, surtout quand c'est Poséidon. Ça m'a fait putain de plaisir, franchement. C'est juste incroyable. Donc, j'ai pu le récupérer grâce à mes singles journalières. Et on est super content de l'avoir. Alors, le truc par contre, il y a un truc qu'il faut savoir. C'est que quand on drop le perso, bien sûr. Parce que moi, je le drop jamais. Donc, ça, je le savais pas. Parce que moi, je dropais jamais le perso à thème. Mais quand tu drops le perso à thème et que tu l'entraînes, tu fais plusieurs choses, notamment débloquer son 8ème sens aussi, le mettre 80, etc. Bah, tu vas choper des récompenses. Donc, hop, tout simplement, Poséidon, là, il vous file 2 tomes verts gratos, plein de diamants. Bon, voilà, c'est juste incroyable. Je suis vraiment super content d'avoir eu tout ça. C'est juste un grand délire, hein. J'y crois pas, hein. Franchement, j'y crois pas du tout. Du coup, comme vous le voyez, il est level 70 pour le moment. Alors, je l'ai monté, j'ai réussi à monter l'amitié au level 5. D'ailleurs, gros big up à ma guilde d'un One For All. Vraiment des beaux gosses, ils m'ont aidé à monter tout ça. Parce que, tout simplement, pour débloquer le 8ème sens, donc débloquer chaque branche pour les SS. De ce que j'ai vu, bah là c'est level 4 d'amitié. Donc je vais pouvoir débloquer tout ça afin de récupérer les récompenses. Pour tout ce qui est rune, bah je l'ai runé avec ce que j'avais pour le moment. C'est pas incroyable clairement, hein. Je vais attendre le vendredi pour le farmer parce que je l'ai eu samedi. Donc d'autant plus je vous mets le planning pour que vous veniez sur les lives. Bah n'hésitez pas à venir, hein. Les moments comme ça, ils sont juste incroyables et ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir de partager ça avec vous. À savoir que bien sûr, j'étais en congé la semaine dernière et la semaine d'avant. Donc quand je live tous les jours, je pouvais me le permettre. Là je reprends le taf et puis les cours dans pas longtemps. Pour ceux qui savent pas, je suis en alternance en gros. Je suis en 4ème année. Et bon voilà, il y a des fois où j'aurai moins de temps ou des examens ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je vous ai fait ce petit planning, pour que vous pourriez être au courant de quand je live. Et cette semaine j'ai pris 2 jours de repos, donc notamment le lundi et le jeudi, pour pouvoir un peu souffler et surtout vous faire des vidéos sur la chaîne YouTube, parce que c'est un peu compliqué de live et de faire des vidéos en même temps. Donc le Poséidon ici, je ne m'attendais pas, donc il est level 70 en fait. Ça c'est un peu honteux, je vous mens pas, il est level 70. J'ai jusqu'à demain en gros, le jour où je sortirai cette vidéo, normalement je devrais monter 80. J'ai les 3 tomes qui sont prêts ici, le 5ème il est là, mais j'ai plus du tout de C. Je suis en train de mettre des BA doublons que j'ai pris, enfin, je suis en train de me démerder comme je peux pour le monter avant la fin. Et ouais, ça fait grave de chier, grave plaisir, donc je voulais vous partager tout ça en vidéo. Et puis voilà, j'espère en tout cas
que vous avez de la chance aussi sur vos invoques. Je vous invite vraiment, parce que moi j'ai full chat, hein, je vais pas vous mentir, c'est incroyable. Mais est-ce que je méritais pas d'un côté, vu que ça fait plus de 1500 cristaux que j'ai pas eu de perso à thème. Donc je vous invite vivement à faire le Lucky Cat les frérots, et dans une moindre mesure à skip Pandore, hein, si ça dépend, hein, faut regarder un peu l'utilité que vous avez des persos. Je vous invite vraiment à skip cette Pandore, parce qu'on va avoir pas mal de persos qui vont sortir, notamment Ikki Got Close. Alors il va arriver dans un certain temps, je pense d'ici... Bon, la globale est un peu déréglée, mais je pense d'ici un mois et demi, peut-être un mois et demi, on va avoir Ikki Got Close, on va avoir aussi... Bon, Pandore elle est sortie là, mais bon, elle est pas très intéressante pour moi. Comme je dis, on va avoir aussi Evil Saga, on va avoir Hades derrière, enfin on va avoir pas mal de persos qui vont sortir, qui vont être vraiment très bons. Donc je vous invite à garder tout ça. Et puis voilà, écoutez, c'était simplement pour vous partager tout ça, pour vous parler un peu. Et puis ça fait plaisir de enfin drop quelque chose, je vais pas vous mentir. Comme Fitzadri l'avait dit, hein, sur le random rush, si vous l'avez pas vu, il sera sur le bouton il est juste ici. Hein, je ne dropperai pas Poseidon apparemment, parce que j'ai eu trop de chat en random rush. Ouais, disons que c'est incroyable, disons qu'en fait il vient de cramer toute sa chance sur le jeu, il n'aura pas Poseidon. Voilà, oh dommage, le hein, bâtard mais... C'est dommage, hein, mais oh, c'est comme ça. Voilà. Voilà, mais je suis désolé mec, mais c'est toi au bout d'un moment, hein, t'as décidé d'utiliser ta chance pour ça. Voilà. Et ben non mon vieux Fitz, du coup je l'ai eu. Donc je vous souhaite beaucoup de luck pour vos invocations, je vous fais plein de bisous, j'espère vous retrouver lors d'un live ou d'une prochaine vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à lâcher votre petit pouce bleu, à vous abonner, pas déjà fait, et puis je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée ou journée. Ciao ciao, à la prochaine.